Eh bien salut tout le monde, c'est Bastos, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Donc je vous commente un petit gameplay, pour la nuit, il est 1h30 du matin, et je suis en train de regarder la télé. Hein, donc je vous commande vite fait, car j'avais envie de vous présenter ce gameplay, parce que de une, je trouve qu'il est assez bien, car j'ai beaucoup d'objectifs. Hein, et comme... attendez. Beaucoup d'objectifs et aussi je fais beaucoup de froid. Donc c'était un petit massacre. Au départ là on était parti pour une tentative nucléaire avec Laurent. On a fail, mais complètement, on va vous dire. Ah donc c'est pas grave, hein, ça arrive. Donc là ça m'a permis de faire un bon gameplay et puis voilà. Donc on est sur la map carrière en domination. Je joue avec la nouvelle arme, celle qui est dans le pack là, le Peacekeeper, je sais pas trop quoi. Excusez-moi pour la prononciation. Le Peacekeeper, je sais pas quoi là. Enfin, vous m'avez compris. Je joue avec cette arme, je l'ai mis en viseur laser silencieux. Hein, je joue avec les atouts détermination, fantôme, robustesse et dextérité. En grenade, j'ai. Oui, bah j'ai des grenades. C'est vrai. Donc là, on se retrouve à 2 contre 3, c'est génial. Mes killstreaks sont le Black Bear, le Lodestar et les chiens. Donc voilà, donc j'aimerais vous parler un peu du pack de map de Révolution. Alors, par où commencer déjà? Bon, on va commencer par là. La Peacekeeper, enfin, je ne sais trop quoi. Alors, les atouts de ce qui est bien, c'est que l'arme est très précise, comme vous pouvez le voir maintenant. Une magnifique triple feed. L'arme est très précise, elle tue en peu de balles si on vise très bien. Hein, donc c'est ça qui est avantageux. Je sais pas si ça se dit avantageux. C'est ça qui est avantage en fait, que l'arme est précise. Après, les défauts, c'est que... on sait pas pourquoi, mais des fois elle se lève. Je sais pas si dans le gameplay on va le voir, mais des fois elle se lève beaucoup, des fois elle bouge pas du tout. Et ça me le fait de plus en plus sur Black Ops 2. Et en fait, je trouve que l'arme est irrégulière. Parce que des fois, autant elle va pas se lever. Donc ça va être bien. Ou autant elle va se lever, vous allez foirer votre kill, ça va tout vous niquer. Donc c'est vraiment. Enfin. Je sais pas, je trouve ça très de. Je sais pas, l'arme, je la trouve pas logique en fait. Donc parlons des nouvelles maps, on va parler de la map Mirage. Donc la map Mirage est une map que je hais absolument. Pourquoi? Cette map est absolument horrible à jouer. Ah mais quand je dis horrible, c'est horrible. Hein. Vous passez dans un endroit, que ce soit magnifique Bastos. Alors vous passez dans un endroit, il y a un ennemi en face de vous ou un truc comme ça. Enfin, il y a plein de trucs qui m'est arrivé sur cette map, j'ai pété un câble. Alors là, il y a même pas 5 minutes, je voulais un peu jouer car j'avais besoin de jouer sur les maps. J'en avais envie, hein, à vrai dire. Et en fait, j'ai joué sur la map Grind, enfin celle où il y a la map du skatepark. Et franchement, je l'ai surkiffé. J'ai fait plus de 40 kills, donc quand même, pour moins de 5 morts. Donc franchement, c'est potable, hein. Et franchement, c'était ma première fois que je l'ai surkiffé. Après, il y a la map Don Hill ou Don Isle. Enfin, vous savez, la map enneigée. Hein, avec les je sais pas quoi là. Enfin, le truc là qui bouge quand on va au ski, vous savez. Oh, enfin, voilà. Je sais pas vous m'exprimer, c'est pas grave. Enfin, voilà. Et en fait, cette map, je l'ai pas encore essayé. Mais ça se trouve que, franchement, pour la persification. Peut-être pour l'arme, hein, pour cette arme que j'utilise, hein, c'est l'arme du pack. Je dis bien peut-être qu'elle peut s'avérer très efficace sur cette map à longue distance, vu que si on a de la chance qu'on commence à bien la gérer, hein, parce que oui, il faut bien la gérer pour pas qu'elle bouge. Hein. Si on a de la chance et qu'on la gère bien, ben en fait, il s'avère qu'elle peut nous être très très utile sur cette map. En fait, vu que j'ai pas encore eu le temps d'essayer, ben, je me pose la question. Hein, j'ai pas eu le temps d'essayer la map. Voilà. Et il y a aussi la map qui s'appelle Hydro, que j'ai pas pu essayer, car en fait, j'en ai eu marre de jouer tout à l'heure. J'ai décidé
couper la play. Enfin, j'ai décidé d'arrêter la play et de vous faire ce petit commentaire. Mais enfin, je pense avoir beaucoup plus de gameplay sur Hydro. Hein, sur Hydro, car ça a l'air d'être une map que j'aime bien. Etc. Donc, de quoi pourrais-je vous parler d'autre? Ah oui, et j'aimerais savoir si un gros score, ça vous intéresserait. Même si c'est plus sur Call of Duty Black Ops 2. Hein, c'est sur Call of Duty Black Ops 1. Et là, vous allez me dire, Black Ops 1, Black Ops 1, ouais, bof. J'aimerais savoir juste si ça vous intéresse. Parce que avec l'un de mes amis qui est dans la team, je crois que c'est Laurent, ouais. Enfin, si je me trompe pas. Ouais, c'est Laurent. On a beaucoup de gros gameplay sur Black Ops 1. Hein. Surtout, moi, j'en ai un où, à un moment, je dépasse les 110 kills. Et dans, en fait, dans le gameplay, je fais environ plus de... Je fais environ une quinte fille de napalm, trois quoi de napalm et deux triple feed ou un truc comme ça. Enfin, un gameplay assez beau à voir, même si je joue certes avec AU, car avant je voulais augmenter le ratio. Hein? Donc voilà. Donc je joue à la KU pour augmenter le ratio, oui, et alors? Hein? Non, voilà. Enfin, ouais, je joue à la KU, c'est sûr. Ou sinon, après, j'ai encore un autre gameplay où je dépasse les 130 kills, donc je vous dis, hein, je dépasse 130 kills. C'est en démolition sur Black Ops 1, hein. Mais je pense celle-là que je vais vous la sortir car je pense la proposer à Code CF. Je dépasse les 130 kills sur Call of Duty pour moins de 18 morts ou un truc comme ça, enfin, pour moins de 15 morts, je pense. Ouais, je crois que c'est moins de 15 morts. Enfin, c'est un très très gros gameplay. Et je pense leur proposer, hein. Après, je ne suis pas sûr. Enfin voilà. Mais bon. Donc là vous pouvez le voir sur le gameplay. Je suis en sans pitié. Je crois que je vais être en implacable à un moment. J'étais chaud patate pour la nucléaire. Et en fait, il s'avère que je l'ai pas fait. En étant en tentative nucléaire. Il s'avère que je ne l'ai pas du tout fait. Donc comment vous dire, c'est dommage, hein, c'est dommage. Et voilà. Après, ah oui, encore un truc. Est-ce que du code 4 à l'ancienne, est-ce que ça vous plairait? Parce que j'ai plein de gameplay, j'ai même des petites, j'ai même des petits 1v1 avec Lolo. On s'est fait, d'ailleurs on a bien rigolé. Enfin, est-ce que ça vous plairait un petit gameplay sur code 4? Parce que franchement, j'ai un gameplay sur code 4, je pense vous le mettre car à un moment je rentre une magnifique quad feed, un nom broc. Donc elle est très belle. Donc voilà. Enfin après, vous savez, c'est comme vous voulez. Hein. Si vous voulez, ça me va. Si vous voulez pas, bah, tant pis, hein, devrais-je dire. Mais bon, moi, je pense que je vais vous le mettre parce que c'est quand même un assez bon gameplay pour moi qui a presque pas joué à Code 4 de ma vie. Hein. J'ai commencé sur World of War, je crois, si je me trompe pas. J'ai commencé sur World of War et en fait, après, j'ai directement eu Black Ops 2, donc c'est là que s'est créé la FDS au départ. Oui, au départ, ça s'appelait les Frères de Sang. Mais vu que on a trouvé beaucoup de teams qui s'appelaient comme ça, on a décidé de l'appeler XFDS qui est connu, enfin qui est sur Black Ops 1, quand on allait dans les accueils, on se faisait souvent insulter parce qu'ils ont dit, oh la XFDS c'est une team de spawn killer, etc. Faut pas rester. On se faisait insulter pour ça, je vous l'avoue. Nous, ça nous plaisait pas du tout, mais bon, vous voulez qu'on fasse quoi? On se fait insulter parce qu'on est une team de spawn killer. Les mecs. Black Ops 1, il fait comme ça, faut jouer comme ça. On est bien d'accord, hein. Donc voilà, après, c'est sûr que faire du spawn kill, c'est moche. J'en suis tout à fait conscient. Mais bon, hein, après, si on fait de gros scores, tout... En fait, il y a deux spawn kills. Il y a le spawn trap, hein, donc celle où on attend dans un point fixe, où on a le spawn kill actif. Moi, dans mes gameplays où je suis dépassé 100 kills, c'est que du spawn kill actif. Il y a vraiment que du spawn kill actif, jamais je vais attendre. Ou peut-être une ou deux fois parce que j'avais vraiment chopé le respawn. Il spawnait devant moi, mais j'ai prouvé rien. Hein. C'est eux qui spawnent devant moi, moi je veux juste que je les tue. Non, mais sinon vous allez voir, j'étais tout le temps en mouvement. Certes, j'ai gardé une petite zone, mais j'étais en mouvement. Donc je ne. Ouais. Donc je ne faisais pas du spawn trap. Hein, donc je pense vous la proposer. Hein, ou après aussi de bons petits délires pour les. Comment ça s'appelle? Pour les MOAB et les nucléaires. Donc nucléaire, ça sera sur Black Ops 2 et
bien sûr, hein, le légendaire MW2. Donc on arrive à la fin de ce gameplay. Hein, donc je vais vous dire le score dans pas longtemps. Et les amis, on se retrouve demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo, car demain j'ai malheureusement j'ai cours. Et oui, hein, il est 1h30 et je me réveille à 7h30. Non, 7h pour aller au cours, donc voilà. Je n'ai vraiment pas de chance, donc il faut que j'arrête de faire le camp. Non, c'est bon, j'ai un peu mieux sur la Enfin, voilà. Enfin, moi je vous dis à demain ou après-demain et ciao, salam à tous les gens. Allez, ciao.